Et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui, il nous reste du coup quelques jours, enfin même pas quelques jours, plus que 2 heures pour réaliser du coup la Ligue des Clubs. On va essayer de réaliser au moins un combat pour essayer dans le top 1. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club. J'ai fait un petit nettoyage pour justement revenir à l'assaut, au top du top du club. Pour l'instant, nous sommes plus beaucoup à y jouer, étant donné que je n'étais aussi plus très actif sur le jeu, mais actuellement je pense pouvoir rejouer un peu plus. Donc c'est parti, on va faire la Ligue des Clubs, on va participer match star ou match de siège. Victoire avec équipe du club, ça fait 9, victoire par équipe du club, ça fait 4. J'ai combien de petits tickets? Je pense que j'ai 4 tickets. Donc on va essayer une partie comme ceci. Et on va pouvoir essayer peut-être 2 games à 4 tickets ou 2 tickets, on verra. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir gagner ceci. Chef d'équipe, c'est moi. Je vais bannir. Est-ce que je vais pouvoir bannir? Je pense bannir Elise. On va bannir Elise. Comme ça, on est déjà plutôt bon, je pense. Et il nous a banni. Ok, on va choisir notre mère à tout. Let's go, let's go, let's go. J'espère que tout va bien se passer. Je choisis. Tac. Et let's go. Et c'est parti. Donc n'hésite pas vraiment pas à rejoindre le club. On va pouvoir évoluer ensemble à nouveau. Oups. On va essayer de pas se faire one shot. Ok, on a eu la star dès le début. Ok, on touche. On va essayer de régénérer un petit peu en arrière. Ça fait vraiment un moment que je n'y ai plus du tout joué. Et les nouveaux brawlers, je vous avoue qu'ils sont vraiment pas mal avec leurs nouveaux pouvoirs. Ok, on a la tué. Essayer de rester en zone. On avance. Et on touche, on touche, on touche. On va essayer d'avancer. On va poser notre tourelle ici. On a 8 à 4, on gagne. C'est bien, on garde l'avance. On a juste le Colt à ma gauche, là, enfin à ma droite, qui peut faire extrêmement mal. Ok. Ça tape 11 à 4. On a une bonne avance. On va juste faire attention. Ok. Là, c'est bien pré-shot. 13 à 11. On garde l'avantage. Je vais essayer de ne pas mourir. Hein. 30 secondes à tenir. 13 à 13. On reste en arrière. On touche. Touche. 17 à 13. Ok, on reste en arrière. On pose la tourelle, c'est bon. Je vous avoue que sur ce type de game, on va rester très défensif, très peureux en arrière. On va essayer de maximiser les gains. Allez, première game, ça passe bien. On va essayer de réaliser la même chose. Let's go. Shot. Oh. Oula mince, double kill en même temps, ça va faire mal. On touche, c'est parti, ça c'est bien. 4 à 4. Je ne sais pas où est l'autre. Ok, on multi-touche. Ok, c'est bon. On va essayer de régène. Colt. On touche. Oh mince, j'aurais pu poser ma tourelle pour qu'elle tanque les dégâts. Mais bon, c'est pas grave. On fera un maximum.
Ok. Ok, ça touche. Ah non, la barrière qui vient juste le carry. Ok, on touche 1400. À 16, allez. Ah, 21, 25 à 16, et on a l'étoile bleue, enfin le prime bleu. On dit oui. On va se rapprocher. Ouf, 1200, ça va. On gère. On va essayer de tanker les dégâts. Ok, on élimine. 30 à 16. Let's go. Ouh, on va essayer de gagner le kill gratuit. Ok. Let's go. On a eu un peu plus de chance pour la deuxième game étant donné qu'on avait un absent, un adversaire. Donc on passe. Ouh, pas mal du tout, pas mal du tout. Et on gagne 7 trophées de ligue des clubs. Ça, ça fait un grand plaisir. Un grand plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, on passe top 1 dans les clubs. Il nous reste 2 heures. Nice, 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 nice. Ça, ça fait vraiment plaisir. Bon, on va retenter, je pense, avec 2 parties. Ici, à 4, 4, 8. Victoire des clubs. Ça pourrait être pas mal. Je vais voir dans le club, est-ce qu'on a quelqu'un? Non. On a Valouz qui a joué il y a 4 jours. Il nous a fait gagner donc 3 trophées de ligue. Merci à toi d'avoir joué. N'hésitez pas à rejoindre le club. Je vous laisse du coup ici l'identifiant. Comme ça, vous pouvez faire vos demandes. Donc, c'est U2QVGO. 0, pardon. 2P. 0 ou c'est un O? Un 0. Hop, let's go. On va faire une game avec un seul du siège. Du siège, je pense qu'on va pouvoir garder. Notre spike, hein. Ouais, un petit spike, ça peut faire plaisir. On pourrait gagner en tout cas pas mal de zones. Ouh, on va essayer d'aller vers la droite. Oh, ils ont une petite avance, je vous avoue. Mais on va essayer de. Ah, dommage, ils ont réussi à me tuer. On avance de 1 boulon, 2 boulons à 2 boulons. On va essayer de garder la zone. Ok, on l'a tué. Ok, ça on peut récupérer pas mal. Ok, ils sont tués. On touche quand même avec nos épines. On va essayer de garder une zone de 2. Ok, on kill. Ah, dommage, on a pas réussi à lancer notre attaque correcte. On va essayer de garder une sacrée avance. On va passer du côté gauche. Allez, hops. Ok. On va le toucher, peut-être pas. On va essayer d'arriver directement sur la toile adverse. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Allez, allez, encore 3000. Let's go. Une seule attaque nous a suffi pour les écraser. Ça, ça fait plaisir. Donc, on gagne 3 trophées de club. Qui nous met évidemment sur la première place depuis la première win. Là, ça nous sécurise facilement, on arrive à 10. Ça c'est bien, bah, je ne sais pas pourquoi les autres ils n'ont pas beaucoup. C'est peut-être des clubs inactifs. Peut-être qu'on est dans le bas du classement des clubs, hein. On est en hors 2. Oh, on va pouvoir gagner pas mal de petites récompenses, donc des jetons, c'est ça. Je vais gagner la saison pour avoir la meilleure récompense. Ouh. Oh, on a 120, ok. Pièce de club, ok. On peut mettre des pièces de club pour avoir des points de pouvoir. Ouh, ça c'est intéressant, on ira voir après.
Ok. Et un skin même. Oh, ça c'est intéressant. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre le club. Comme ça, on va pouvoir profiter un maximum des différents avantages avec les pièces de club et les différents skins. Let's go. Troisième combat, dernier combat. Et on y va. Toujours avec Spy, notre brawler préféré. J'espère pouvoir réaliser un brawl box, fun boxing un peu plus vite. Enfin, que ça puisse arriver bientôt. On va avoir un avantage assez élevé, je pense. Ouf, ce brawler me fait peur. Il fait extrêmement mal. Il peut faire extrêmement mal. Hein. C'est un brawler cac qui fait super mal. Ok, on la touche. On va lancer nos deux attaques d'un coup. Bam bam. Allez, encore un. Ok, let's go. Et on gagne directement notre deuxième game. Assez rapide, assez simple, je veux dire. On a bien push. Pas mal du tout. On avait deux adversaires avec 11 trophées et 242 trophées. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas rivaliser. Ça fait plaisir. On réussit aussi notre petite quête du jour. Ça, c'est cool. Nickel, nickel, nickel. Et du coup, on passe à 13 trophées de ligue. On peut atteindre les 600 trophées. Oh, donc, on pourrait, juste avec les 17 personnes dans le club, on peut atteindre les 600 trophées de ligue. Donc, n'hésitez pas vraiment à rejoindre le club. Donc, on va pouvoir augmenter ceci un maximum et pouvoir gagner un maximum de pièces. On va voir aussi où la shop. Là. Donc on va dépenser, on a combien d'argent, on va faire ça. Et on va mettre 100 points de pouvoir. Ce serait intéressant de monter Jesse niveau 10 maximum. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Ou alors du Elise. Portabam. J'hésite. Peut-être dans les nouveaux brawlers. On a débloqué dans Surge peut-être. Ou Jean. Sur notre Jesse. Comme ça, on va pouvoir le maxer un maximum. Au fil du temps, on va pouvoir acheter des points de pouvoir. Il nous reste encore 60 points. Non. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Donc, on a eu 13 points de trophée de ligue. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le club. Afin de pouvoir réaliser de plus en plus de combats. Donc, je vous laisse avec l'identifiant Champignang. Donc, c'est parti. Donc merci à vous et à très bientôt pour des prochaines vidéos sur Clash of Clans ou Clash Royale ou Brawl Stars. Merci à vous ou d'autres jeux évidemment. Et à bientôt. Ciao ciao ciao.